Après 2 mois de traversée, le 11 août 1916, les soldats descendent enfin du navire. Réunis dans un hangar du port de Marseille pour répondre à l'appel, ils n'ont rien mangé depuis la veille au soir. L'ordre est donné de partir à midi. La troupe marche 7 km sous le soleil en direction du parc du Prado. La découverte est grande pour ces tirailleurs qui voient des tramways, un trafic dense de voitures et une foule de bonne humeur. Ferdinand Goyetch note « De toutes les fenêtres sortent des curieux. Les uns disent « Ce ne sont pas des Sénégalais, ils ne sont pas si noirs et sont plus costauds. Ce sont des gens du Dahomey. » Les autres disent « Je crois que ce sont des Malgaches. Pourtant, ils ne ressemblent pas à tous ceux que nous avons vus débarquer jusqu'à ce jour. » Bientôt, nous fûmes accostés de tous côtés par des personnes curieuses qui nous demandaient « Caporal, quels sont ces hommes ?» Des Néo-Calédoniens. Les trois quarts ne comprenaient pas. Le mot Néo-Calédonien était inconnu pour eux. Mais si la question était celle-ci, d'où venez-vous ? De la Nouvelle-Calédonie. Un « Ah !» sortant du plus profond de la poitrine du questionneur décrivait son étonnement. « Mais alors ce sont des anthropophages ?» Un grand éclat de rire était notre seule réponse. Paul Lénart écrit « Au camp du Prado, dans les larges allées que bordent les baraques adriens de cette nouvelle cité cosmopolite, j'ai retrouvé mes bons types. » Akoma m'a dit d'ailleurs qu'ils avaient pu chanter librement tous les soirs sur le bateau et faire leur culte quand ils ont voulu, qu'ils n'ont eu qu'à se louer de tous leurs supérieurs. Dans une allée un peu écartée à l'ombre d'un platane, entourée de barrières derrière laquelle le public stupéfait était groupé, nos braves protestants sont arrivés. D'abord, tous les Lifous, puis les autres, et nous avons touché des centaines de mains. Ce n'est pas à vous qu'il faut le décrire, mais nous avons été saisis et émerveillés. Ils ont chanté d'abord le cantique patriotique, où l'on comprend « voir la France » à la fin. Puis deux cantiques. Après quoi, la Marseillaise en français, avec leur superbe orchestre de voix profonde. Le public applaudissait ferme et ce fut vraiment une belle manifestation protestante. Il m'a gagné le cœur, cet Akoma, et je ferai de mon mieux avec lui, puisqu'il est la pierre angulaire de l'ensemble. Du côté du front, loin du bataillon, le soldat Philippe Vautrin du 5e régiment d'infanterie coloniale écrit « La guerre prend en ce moment un caractère décisif et, à mon avis, ça finira plus vite que beaucoup ne le pensent. Je suis sur le point de départ pour une destination inconnue. Cette destination, c'est Barleu, dans la Somme. » Là-bas, avant d'être tué comme 49 autres Calédoniens, il écrit « Nos ennemis ne se font pas d'illusions sur le sort qu'ils auront à subir s'ils succombent, et, en effet, le va-et-victis qu'ils se verront obligés d'accepter. Nous devons donc nous attendre à une résistance acharnée et soutenue de leur part, et aussi de la part de leurs alliés. »